It's October 3rd, 2018 in the beautiful city of Brussels in Belgium, Museum for Military History and Army. My name is Jong-woo Han. I am the president of Korean War Legacy Foundation. We are here to conduct a special series of interviews for the 70th anniversary of the Korean War. This is official project commissioned by the Ministry of Patriots and Veterans Affairs of the Republic of Korea. It's great honor and pleasure to have you here. Please introduce yourself, your name, and spell it for the audience, please. Donc, tu dois te présenter donc, en disant ton prénom, ton nom, ton date de naissance. Et quand on te dit ton nom, il faut aussi répéter lettre par lettre. Comme ça, ils peuvent le reprendre exactement. D'accord. Mon nom, c'est Henri Soquet. Henri Soquet, S-O-C-Q-U-E-T. Thank you. What is your birthday? Ton date de naissance. 25-3-32. 25th of March, 33. 33. So you are now... 32, hein? 32. So now you are 86? T'as quel âge actuellement? 86. So where were you born? Tu étais né où, Henri? Ici, à Wavre, en Belgique. In Wavre, it's a city just outside of Belgium. And tell me about your family when you were growing up. Your parents and your... Raconte un peu sur tes parents, tes frères, tes sœurs, comment où tu as vécu pendant ta jeunesse. Je n'ai ni frère ni sœur. No frère, no brother, no sister. J'ai vécu avec ma mère qui était veuve. So you were the only child, and you lived with your mom. And what school did you go through? Tu as fait quoi comme études? J'ai fait les études moyennes, et puis les études de mécanique. It is high school and then mechanic. And tell me about the experience that when German occupied this country. Quelle était ton expérience pendant l'occupation allemande de la Belgique pendant la Deuxième Guerre mondiale? Pendant la guerre, j'étais très jeune. Hein? Bon, j'ai subi les bombardements et la guerre. Quoi. C'est tout. Was very young, so what he doesn't remember is the bombardments during his youth. You can talk louder. Yeah, because we want to pick up from the. Okay. Yeah. And when you went through the school, did anybody teach about Korea? Pendant que tu étais à l'enseignement, est-ce que dans l'époque là, tu as entendu parler de la Corée? On n'en parlait pas. They never talked about Korea. Never talked about Korea. So you didn't know nothing about Korea, right? Donc, tu n'avais aucune idée sur la Corée au moment, jusqu'au moment que tu étais. Voilà. Au moment que? Au moment que tu allais au pays. Oui, à ce moment-là, j'avais 10-12 ans. Until he was 18 when he left. So then, when did you join the military? Quand est-ce que tu es rentré dans l'armée? En 1952. In 1952. Je devais faire mon service militaire. He had to do his military service as a conscript. Conscript. So you already knew that Korean War broke out, right? Tu savais déjà à ce moment-là qu'il y avait une guerre en Corée? Oui. Yes, he knew about the war in Korea. Did you think that you would go to Korea to fight? Avais déjà à ce moment-là, donc quand tu rentres la défense, tu avais déjà dans ta tête de partir en Corée? Non, on ne parlait pas de ça. C'est pendant que j'étais à l'armée qu'on a demandé des volontaires pour la Corée. So no, he knew about it, but it was never mentioned until he was already in armed service, and there was a request to send volunteers to Korea. So when they announced that you are going to Korea, what did you think about it? Donc dès qu'ils ont demandé des volontaires, tu pensais quoi?
Eh bien, comme j'ai toujours été anticommuniste, je me suis porté volontaire immédiatement. As he had already the anti-communist sentiments, once he heard about the invasion, he immediately was candidate to be a volunteer to go to Korea. Je précise que je ne suis pas un militaire, n'est-ce pas, mais un idéaliste. He wants to amplify that he's not really a military, but he's more an idealist. Hmm. So you think about Korea and you knew that because they were under the communist attack, you wanted to go there and do something about it? Donc, quand il a bien compris, donc tu as appris que le Corée du Nord, donc un État communiste avait invasé le Corée du Nord, et donc tu voudrais réagir. Je voulais participer à l'arrêt du communisme en Corée. So he wanted to be part of stopping communism at the gates of Korea. You didn't know anything about Korea, and you could lose your life. Donc, il dit que tu ne savais rien vraiment sur la Corée et tu étais prêt à donner ta vie parce que tu risquais ta vie. Oui. Yes. Oui. He was ready to give his life. Je n'ai pas été là pour le plaisir ni pour de l'argent. He was not there for fun, neither for money. So, what kind of military training did you receive? Tu as reçu quoi comme entraînement militaire avant de partir? J'ai fait les paracommandos. You had a commando training à Marche-les-Dames. But going back to the points that you made, you were not there for the money, but people saying that soldiers were in the war for the money. What do you think about that? Donc tu dis clairement, j'étais pas là ni pour le plaisir ni pour l'argent. Quand les gens disent que des gens partent pour l'argent, tu réponds quoi? Tu penses quoi à ce moment-là? Je pense simplement que mon devoir, c'est de faire un arrêt du communisme. I only think and I only say that my mission, my obligation was to stop communism. That's great. And when did you leave for Korea? T'es parti quand, Henri? Je suis parti en janvier 53. You left in January 53. 53, January. And where did you land and what was your first image of Korea? T'es rentré où en Corée et quelle était ton premier image, ton première impression de la Corée? Je suis arrivé à Fusan. Et puis en train, on est monté à Séoul. Et puis en camion, on est allé au front. Et quelle était ton première impression de la Corée? Mais que c'était un pays très pauvre. D'ailleurs, quand je suis allé à Séoul, j'étais très pauvre. So he first arrived in Busan. From Busan, they went by train to Seoul and then by truck to the front line. And the only thing that he can imagine, his first impression when he arrived in Seoul was that it was very poor. Tell me more about Seoul that you saw on the way to the front line. Est-ce que tu sais raconter un peu plus sur ton arrivée ou ce que tu avais vu à Séoul à l'époque? On est allé au front directement, on a subi un entraînement, et puis on est monté directement à Chatkol. So he only stayed very briefly in Seoul, so he didn't have the chance really to see around. They went up straight up to the front line, received an additional training, and then went up to the Chatkol front. Mm. So tell me about your daily routine. What did you do there and how was the situation in the front line? Donc comment tu passais tes jours au quotidien? Quelle était ta première expérience au front? Ben, à Chatkol, nous sommes juste tombés en état de guerre réellement, la vraie guerre, pendant plusieurs mois. When I arrived in Chatkol, it was the beginning of the fighting, the real fighting, and it went on for several months. J'étais sergent, infirmier. So he was sergeant with the medical aid troops. Alors je participais à donner des soins aux soldats.
So his first mission was to give first aid to the soldiers. Soigner les blessés. Giving help to the wounded. So, wow. So you must have seen so many wounded and dead soldiers. Donc, par rapport à ton métier sur place, alors ça veut dire que tu as vu pas mal de blessés, même des morts. Exactement. What were you thinking? Oui. Qu'est-ce que tu pensais à ce moment? À ce moment-là, on est dans le bain, on ne pense à rien, on s'est seulement sauvé des gens. At a moment like that, you don't think. You're in it, and your only mission, your only objective is to help, save people. Et vivre dans les tranchées, dans les bunkers. Yeah. And you live on daily basis into the bunkers and the trenches. Et faire la guerre toutes les nuits. Et faire la guerre tous les and have a fighting every night. C'est la nuit en Corée. In Korea, almost all the fighting happened at night. So I understand that at that moment you don't think about it, but now looking back those years, what do you think about your honorable service that you did for the wounded and killed and so on? Donc c'est clair que à ce moment-là tes pensées sont que sur les blessés et l'aide, mais maintenant on est presque 70 ans plus loin. Quand tu regardes maintenant ce que tu as fait ton métier à l'époque. Ça te donne quoi comme réflexion? Je suis fier d'avoir été. He's very proud to have been there. Ask him, just keep talking. Do not wait until you interpret it when he has something to say. Juste, donc, tu ne dois pas m'attendre pour traduire. Donc, si tu veux donner un discours un peu plus long, il préfère que tu donnes d'abord ton discours et je te fais un compte-rendu. Tu ne dois pas chaque fois arrêter à cause de moi. Donc il dit, si tu t'arrêtes ta phrase parce que tu dis « je n'ai plus rien à dire », c'est bon, mais tu ne dois pas t'arrêter parce que tu penses « ah, ça doit d'abord être traduit ». Ben, pendant plusieurs mois, nous avons été en première ligne, à Chatkol, au pied d'une très grande montagne qu'on appelait le Papasan. Et toutes les nuits, c'était la bagarre. Hein. J'ai participé à des rondes de nuit, enfin quoi, avec des patrouilles. Et entre les Chinois et nous, il y avait une zone où on faisait les patrouilles de nuit. So as you already said, during several months they were in the front line, heavy fighting. Their position at Chatkol was really on the bottom of the Papasan mountain. And so he often went on patrol in the no man's land between the Belgian position and the Chinese or North Korean positions. Mm. Were you afraid? Tu avais peur? Peur. Bien sûr qu'on a peur de mourir. Of course, you're always afraid to die. Mais on va vaincre sa peur. Et malgré tout, aller dans les patrouilles et se battre en mitrailleuse ou en fusil, n'importe quoi, mais on doit faire ce qu'on vous dit. Of course, you're always afraid, but it's a war, you're in it. And so when you are told to go on patrol, you go on patrol and you use all the means at your disposal at that moment. Mm. J'ai fait plus que mon devoir parce que j'ai été volontaire dans beaucoup de patrouilles. He thinks he did more than what was expected because he often even volunteers to go on night patrol. So medical assistance wasn't the only job description for you. You also participated in the battle too, right? Être infirmier, ce n'était pas ton seul métier, tu participais aussi vraiment dans les batailles ou... Ah ben oui, hein. Ah bien oui, il fallait être en première ligne, sur les oupis. Les oupis, c'est une position avancée, n'est-ce pas? Alors, j'ai participé à ça aussi.
Yes, of course, because besides that, there was also the observation posts, and he also participated in that tournament of people occupying the observation. Mais il fallait toujours être volontaire pour être sur l'OPI de la compagnie A ou la compagnie B ou la compagnie C. Parce que en tant qu'infirmier, on m'appelait de tous les côtés. As he was a medical aide, he was called upon by all the companies, so he often changes between A, B and C company. Mm. So you were a busy man. Tu étais bien occupé. Oh, oui. How many lives do you think that you saved during the war? Est-ce que tu peux estimer le nombre de vies que tu as peut-être sauvées pendant ta présence? Quelques dizaines. A couple of dozen. Nous avons eu aussi bien de blessés au bataillon Corée. We had a lot of injured people in the battle. Et nous avons eu beaucoup de morts aussi. And also quite some dead people. Mm. Do you still suffer from those the scene of death and wounded and screaming and so on? Est-ce que encore aujourd'hui tu as encore des images dans ta tête des gens blessés? Absolument. Absolument. Absolutely. J'ai même retrouvé dernièrement, ici à une réunion, un homme qui avait reçu un éclat dans la joue comme ça, que je lui ai retiré, et on s'est rencontré par hasard. Only recently, on a meeting of Korean War veterans in Belgium, he met a guy who had been hit by a part of a grenade in the upper lip. He removed the part and cleaned it out, and he met the guy again only recently at the meeting. Mais tous les autres blessés, ils partaient sur des jeeps vers l'arrière. Because once they received their first aid, they went on a jeep and they went to the MASH or even further to Japan. So often he didn't see them again. But this was a. Did he thank you when you met him in Belgium recently? Quand tu l'as revu ce type, il t'a encore remercié. Oui. Absolument. Oui, bien sûr. C'est émouvant. Yeah, it was very touching. Yeah. Tell me more about it. Do you still remember the scene where you patched up his mouth and so on? Donc tu dis que c'était bien émouvant. Est-ce que tu te rappelles encore toi-même clairement le moment où tu l'as traité? Oh, bien sûr, bien sûr. C'était un jour où nous étions à l'abri d'une colline, et du haut de la montagne, nous avons reçu une série de bombes, juste là, où nous étions. On avait préparé les à manger, et c'est tombé en plein temps. Alors nous avons eu beaucoup de blessés là. He remembers still vividly. At that moment, they were preparing dinner, and they were at the foot of a hill. And so from the top of the hill, they fired shells right upon them, and so they had a lot of casualties that day. Mm. So do you still have a nightmare? Est-ce que tu as, comment on dit ça en français, nightmare? Des mauvais rêves à cause de... Des cauchemars. Parfois je pense, c'est pas un cauchemar, mais parfois je pense. Hein. He doesn't have nightmares, but he often thinks about it. Mm. Vous savez, quand vous avez vu mourir des gens dans vos mains, vous ne pouvez pas l'oublier. When you see someone dying in your arms, it's impossible to forget him. Did you see many Korean death too? Est-ce que tu as aussi vu des morts ou blessés coréens? Coréens? Oui. De l'armée coréenne sud. Non. J'avais avec moi deux Coréens qui étaient à notre disposition. Un s'appelait Lee Kwang-gok, l'autre s'appelait Chang, et on les a vus tout le temps avec nous. Je n'ai pas vu de Coréens de morts. No, he never saw Korean dead or wounded because the Korean battalions were not with them. But he still remembers, of course, two Korean people who were attached to the Belgian battalion and who were with him day and night. Mm. Mais par contre, au front. Quand les Coréens du Nord attaquaient et qu'on les tirait,
Là, j'ai vu beaucoup de morts. But of course, when he says he didn't see no Korean casualties, he means South Korean, but because of course, when after nights of fighting and in the morning, you could see the bodies of the North Korean and Chinese in front of the of the line. On les tirait au fur et à mesure qu'ils approchaient, et ceux qui tombaient, ceux qui suivaient ramassaient les morts de ceux qui étaient morts, ramassaient les armes de ceux qui étaient morts, passaient au-dessus, on liquidait aussi, et puis encore une ligne qui arrivait. Vous voyez? Because they had a very special way of attacking. So the first line of attackers had a weapon, and when they were shot down, the second line picked up the gun and continued the attack. And when that line was shut down, the third line picked up the weapon and attacked. That's Chinese. Et un matin, j'étais là. Alors, on les faisait partir, on les faisait rouler en bas de la colline, et ça sentait mauvais. And so in the morning they saw all these bodies, which they tried to push down the mountain, because otherwise, due to the disintegration of the bodies and the fact that they were so close, it was an unbearable smell. On mettait des barbelés autour de la position, avec des boîtes de conserve qui faisaient du bruit. Alors ils arrivaient en rampant, ils faisaient du bruit, et puis on tirait dedans. Hein. So just in front of the lines there was barbed wire, and on the barbed wire they attached metal cans. Yeah. So if they would approach and they touched it, it made a sound, and once they heard the sound in that direction, they fired. Yeah. Did you have enough medical equipment and the medicine to be able to care the wounded? Est-ce que tu avais assez d'équipement médical et des produits médicaux oui. Ou des médicaments oui. Pour bien soigner? On avait tout ce qu'il fallait pour soigner. Oui. Yes, we really had everything we needed to give aid to the wounded. Mm. What was the most difficult thing during your stay in Korea? Pendant tout le durée que tu étais en Corée, quel était le moment le plus dur, le plus émouvant que tu as vécu sur place? Quand il y avait de très grandes attaques contre nous et qu'ils approchaient très près, on pensait bien qu'on allait y passer. It was when there was a real offensive, and so the Chinese or the North Koreans really approached very closely to the lines. Then often you thought, well, le bataillon belge n'a jamais reculé. But the Belgian battalion never retreated. Jamais. Never. Any other story that you want to share with us about the better aspect of it? Est-ce qu'il y a peut-être une autre histoire que tu veux nous raconter, peut-être sur un aspect plus positif que tu as? Positif. Après un mois ou deux au front, on nous a donné des congés. Aux arénards. Et j'ai participé, et j'ai eu un congé au Japon de quelques jours. C'est le côté amusant. So when he thinks about the more positive aspects, it was the leave that they had. So after a few months of fighting, he received a few days off, which gave him the opportunity to go to Japan and relax for a few days. Mais quand il a fallu remonter au front, alors là, c'était autre chose. Hein. But of course, it made it much more harder than to go back after those days back to the front line. That's right. You are already spoiled. So, when did you leave Korea? Quand est-ce que tu as quitté la Corée? Après l'armistice. L'armistice a eu lieu, je crois que c'est aux alentours du mois de mai-juin. On est resté encore un mois ou deux. Je ne sais plus les dates. He doesn't remember the dates exactly, but it was a few months after the armistice that he came back. Mm. Have you been back to Korea since then? Est-ce que tu as participé à des revisites depuis la fin de la guerre? Des revisites? Oui. Est-ce que tu as revisité la Corée? Non. No, he never went back. Mm. Non. C'est dommage. Yeah, it's a pity. Because Korean government has a program inviting Korean War veterans back to Korea, so you should try.
Parce qu'il y a un programme justement par le gouvernement coréen qui invite des anciens combattants de revisiter Mais la Corée. Il faut comprendre que moi j'étais en commerce, j'avais 6 enfants et je n'avais pas de temps à consacrer à des voyages. He says, yes, I understand, but at that time, I had an enterprise of my own. I had a wife and 6 children to take care of. I could not take the time or the liberty. J'aurais bien voulu retourner. But he often thought about going back. Do you know what's going on in Korean economy and Korean democracy, the developments that we achieved since you left? Well, donc depuis que tu es de retour, est-ce que tu suis encore les déroulements en Corée, ce qui se passe du point de vue économique, social? Ça a été pour moi un très grand jour quand il y a eu la dernièrement, quand il y a eu la paix entre le Nord et le Sud. Ça a été pour moi un très grand jour. He follows everything that happens in Korea, and for him it was a very pleasant and big day when he saw that there was a peace agreement between the two Koreas. Tell me about it. What do you think we have to do with North Korea? Donc raconte un peu plus, qu'est-ce que toi tu penses, comment ça doit évoluer? Eh bien, c'est toujours la guerre, hein? La paix n'est pas encore signée en Corée, mais il y a réconciliation, oui. Je souhaite qu'il y ait la paix vraie. Well, of course, there's technically and officially there's still a war going on, but he hopes that reconciliation can really. J'ai d'ailleurs écrit à l'ambassade pour lui exprimer ma satisfaction. So and he hopes that due to reconciliation, it will give true peace to the Korean Peninsula, and he even wrote back a few months ago a letter to the embassy, just expressing his point of view. La satisfaction d'avoir participé à l'arrêt du communisme en Corée, jusque maintenant. Et le seul pays d'Asie où on l'a su faire, ça. And the satisfaction that he was able to be part of stopping communism on the peninsula, and even more if he thinks back that it was the only time in Asia where it succeeded. Mm. There is a Mr. Che sitting right there. Did you know him before in the Korea during the war? Donc là-bas il y a Monsieur Che, aussi un ancien de Corée. Est-ce que tu lui connaissais pendant ta présence en Corée? And in your opinion, what is the importance of the Korean War? Qu'est-ce qu'il dit? Comment? In your opinion, what is the importance of the Korean War to you? Dans ton opinion, quelle est l'importance de la guerre de Corée? Mais je viens de vous le dire. On a mis un arrêt. On est seul à faire ça, en Asie, de pouvoir arrêter l'expansion du communisme. Parce qu'il faut vous dire qu'en Belgique, il y avait beaucoup de communistes. En Belgique. Et on pensait que toute l'Asie allait être bolchevique. Hein? He says, well, just like I said. Et on a arrêté ça. We have been able to stop communism in Asia. He says, and don't forget that at that time, also in Belgium, had a strong communist movement. Mm. And we managed, he says, like we were the only ones in Asia who managed. Mm. J'ai donc eu ma petite part là-dedans. And I was able to give my small contribution to that. Because of your small contribution, you're saying, but it's a big contribution, we were able to develop our economy, one of the strongest in the nation, and we are democracy. So I want to thank you. Tu dis un petit contribution, mais c'est justement parce que à cause de ton pas si petit contribution que la Corée du Sud a pu se développer. Oui. Jusqu'au maintenant, ils sont 11e pouvoir au monde. Ils font l'admiration du monde. Hein? Voilà. Oui. Et donc, il dit, voilà, il te remercie vivement pour ce que tu as fait. Mais je pense que la Corée comprend très bien ça. Nous avons été 2-3 fois invités ici. Et ça nous fait plaisir. It was a great pleasure to him to notice that even if he's not been to Korea, to revisit that very often the Korean embassy in Brussels invites them for a dinner
Now we are with your wife here, and would you please introduce yourself, your name? Est-ce que tu veux aussi peut-être introduire, dire ton nom, ton prénom? Oui, je m'appelle Josette Boucher. Je suis née à Cours-Saint-Étienne, dans le Brabant, en 1934. Donc, c'est bien ça. 83 ans. Donc 84. She was born in 34 and was born in called Cours-Saint-Étienne. Nous avons 6 enfants, 11 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants. They have 6 children, 11 grandchildren and already 64 ans de mariage. 64 ans de mariage. And 64 years of marriage. 64. So when did you marry? Shampoo. What year? In what year did you marry? Tu t'es mariée dans quelle année? Quand mon mari est rentré de Corée, nous étions déjà fiancés. En 54. Parti en Corée. They already how do you call it? Engaged. And so the moment he returned from Korea in 54, they got married. D'ailleurs, mon nom est marqué dans son béret. And so her name is written in his headcap. Vous voulez le voir? C'est son béret de Corée, hein? C'est pas un nouveau. Il est ici. Voilà, voilà, voilà. C'est bon. Voilà. Okay, you can sit it there. Josette. Where is it? Show it to me. Ah. So you wrote that? Oui, c'est moi. Why did you... Écrit, ou Henri l'a écrit dedans? Non, non. C'était... Ah. Avant, je l'ai écrit dedans. Quand il est parti, c'était son béret quand il est parti là-bas. Il avait marqué mon nom dedans pour que je... Mais c'était pour qu'il ne m'oublie pas aussi. Hein. So it is the original headcap, and so the moment he left for Korea, he wrote the name in it. Hey. Elle m'a attendu toutes ces années. And she waited for him until he returned. Wow, I didn't know that you were engaged during the war. Must be very hard for you, but at the same time for you too. Donc ça devait être très dur si, pour les deux, si bien pour toi là-bas. Oui. Et pour toi, oui, ici, ne pas savoir ce qui se passe. Oui, c'était pour moi très dur aussi parce qu'en Chapcol, je suis resté presque 10 jours sans courrier. Et en principe, il écrivait tous les jours. Et puis j'ai reçu une pile de lettres comme ça, mais on attendait à la radio. Right. So especially when the fighting was going on in Chatkol, it was very hard because he wrote to her every day, and so she was used to receive on a daily or two daily basis some letters. And then they heard on the radio about the heavily fighting in Chatkol, and she didn't receive any letters for 10 days. So she thought that something happened. But then after 10 days, she got a bunch of letters at one time. So, toute l'histoire. Tell me about when you received that letter, bunch of letters, after 10 days of waiting. What did you feel? Tell me the details. Qu'est-ce que étaient tes sentiments donc après ces 10 jours quand tu as reçu un pile de lettres? Ah, oh, c'est la délivrance. Je ne sais pas expliquer, ça c'est... Il y a une chape sur vos épaules et brusquement elle tombe quoi. It's hard to explain. It's like you have a burden on your shoulder and it falls off immediately once you receive it. C'est un stress pendant des semaines et puis claque. Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'il est mort? Il n'est pas mort? Il est blessé? Il n'est pas blessé? C'est quoi? On s'était promis un an avant que je parte. She says it's an incredible stress because you don't know what happened. Is he dead? Is he wounded? Why don't I receive any letters? So she says it's almost impossible to explain what you feel at that time. Et le jour où il est parti en Corée, je crois, je suis arrivée trop tard à Marche des Dames. On ne savait pas me toucher par téléphone. Mon papa est parti à Marche des Dames, à la citadelle à Namur. Les Coréens partaient de là. Et... on est arrivé, le camion est parti de 10 minutes. Alors on est rentré chez moi, ventre à terre à Wavre. Et justement, il y avait un passage à niveau. Il y avait 3 camions arrêtés. Malchance. Quand je suis arrivé près du camion, partait. Okay. Et ça, je n'ai pas su dire au revoir.
which was a very hard moment for her, was coincidence. So there was no mobile phone and so on in that time. And so they left from the citadel of Namur, also a city in a French-speaking part of the country. And she went there to say goodbye, and she arrived 10 minutes late. So the trucks left at the moment that she arrived, so she wasn't able to say goodbye to Henri when he, the day that he left. Voilà, ça c'est leur petite histoire. Bon. So when did you begin to meet for the first time? How old were you to meet? Vous étiez quel âge le moment que vous avez fait connaissance? Oh! Vous avez quel âge quand vous avez fait connaissance? Moi j'avais 10, 17, 18 ans. Et moi 17 aussi. Oui. When? 18 and 17. Ils se sont connus à l'école. They knew each other from high school. Ah, so high school sweetheart. Wow, you didn't like Korea at the time, right? To be honest. You didn't like Korea because... À ce moment-là, du fait qu'il partait en Corée, tu ne devais pas aimer Corée alors, parce que tu devais lui manquer pendant... Non, pas du tout, c'était son envie. Et il a toujours dit qu'il a fini le service militaire, qu'il y avait la Corée qui demandait des volontaires. Il volontaire directement. No, j'étais not really. D'accord, she, en yeah, fait. Hein, she knew how he was and she agreed with it. He wanted to go over there. He immediately told her, "I'll be I'll be voluntary," and she totally supported it. Wow. De toute façon, je ne voulais pas ne pas être d'accord parce que c'était son choix et j'étais d'accord du choix qu'il faisait. It was his choice, and I completely agreed with his choice. Mm. Wow, you are a strong couple. You are a strong woman. Voilà. Do you still have that letters? That you wrote and received. Est-ce que tu as encore dans une petite boîte quelque part les lettres que vous avez? Oui, j'en ai un coffret plein. Voilà. She still has a whole bunch of them. What did you write to him? Parce qu'il est revenu avec celles que j'écrivais, donc il y a un coffret avec les miennes et les siennes. Voilà. Donc, et parfois quand je les relis, je dis c'est incroyable. So when he came back, he had all the letters that she wrote with him. And of course, she still had all those he wrote, and they're in a box together. Oh! And from time to time, she picks one out and she reads them again. Do you want to share some of the letters with us? Est-ce que tu veux share? Partager. Oui, est-ce que tu es prêt à partager quelques de ces lettres? Pour les archives, ou tu dis non, ils sont trop personnels? Non, il y en a des personnels, mais il y en a celles que je peux donner pour les archives, où ils parlent de bagarres, etc. Ben, je choisirai peut-être, voilà. She will think about it, but there are some, of course, who are personal, but there are some letters who maybe could be given. So she not, would have to check. Okay, so please check, and if there is X-rated, you take it off. PG-13, you can share that with us. Donc tu les regardes, tu regardes à ton aise quelques lettres que tu dis, ça je veux bien partager, et alors sur un site PG-13, tu peux les partager. Ok, ça va. Because my foundation has a lot of scanned letters from other veterans, and children wants to know what they wrote and how do they felt about the war. Parce que dans leurs archives, justement, ils ont déjà pas mal de lettres qui sont écrites entre des vétérans et leur fiancé ou leur épouse. Et justement, la jeunesse d'aujourd'hui sont très intéressés de voir, ben, justement, qu'est-ce qu'ils racontaient dans une période pareille l'un à l'autre. So please. Tell Steve about it, okay, later. Donc, si tu vas faire un choix, tiens-moi au courant. D'accord. Did he tell you about Korea? How did he feel about his experience in Korea after he came back? Quand Henri était de retour, est-ce qu'il a parlé beaucoup sur ses expériences en Corée? Non, pas tellement. Pas tellement. Au début, il n'en parlait pas tellement. Non, et... Après, évidemment, entre nous, on en parlait avec la famille, etc., et encore avec les parents. Mais c'est quelque chose qu'il gardait pour lui. In the beginning, not at all. He kept it much to himself. It was only later on that he started talking about it and sharing it with his family. So now, I want to ask the final question.
What do you think about the Korean War to you personally, and what is Korea now to you personally? Donc pour toi, José, quand tu penses à ce qui à ce qu'Henri a fait, comment est-ce que toi tu penses aujourd'hui de la guerre de Corée et de l'évolution? Évidemment, je pense qu'il a bien fait. Comme il dit, il a arrêté le communisme. Et quand tu vois maintenant l'expansion de Séoul, c'est faramineux. L'expansion de la Corée, mais... la Séoul. Quand on voit la télévision, la ville de Séoul, il n'en revient pas. Il se dit, voilà, c'est extraordinaire. As she already said, she completely approved his going, and so she's very proud of it. Especially when she sees now the dimension that Korea and the Korean economy has taken, it made her very proud. Mm. Do you know of any Korean products? Est-ce que tu connais des produits coréens? Oui, certains. Non, moi pas. Mais pas très. Moi pas. Moi j'en connais un ou deux, mais pas plus. Non. A few, but not that many. Yeah. Any other message you want to say to the Korean people for the 70th anniversary? Un message particulier que tu veux participer ou partager avec la jeunesse coréenne justement sur... Oh, c'était merveilleux. Quand les petites jeunes coréennes sont venues là. Que je ne connais pas personnellement des Coréens ici, mais quand vous êtes... Nous avons été très touchés la dernière fois quand il y avait toutes ces petites filles qui sont venues réciter des petits poèmes. Très gentiment. Ça nous a arrivé deux petites là-dedans qui étaient magnifiques. So they were very touched. A few about a year ago, we had there was a small visit of Korean youth coming from Italy, I think, and they were taking care. The younger ones were taking care of the veterans and citing poems for them, and it was something that touched them very deeply and will remain in their hearts forever. Et on voyait sur des dessins des petits enfants qui étaient dans l'école, la petite école gardienne, qui étaient occupés à faire des drapeaux. Et c'était incroyable, ça. C'était, on sent qu'il y a une reconnaissance. Yeah. You could tell by the most little ones who drew up paintings of flags of the participating countries. You could see the gratitude and the dedication. Mm. This is a very special interview. You sent your lover to Korea and you approved it, and because of the great cause that your husband, future husband, fight for, so that's a very special, and your suffering and endurance resulted in good marriage. Because of your husband's fight for Korea, we are now here in global economy and strong democracy. So on behalf of Korean nation, thank you. Thank you very much for your fight and for your approval. Oui. Donc un très grand merci à vous deux. C'était un interview particulier, mais donc pas simplement tout ce que Henri a fait en Corée même, mais aussi le fait que toi tu lui as permis d'y aller et de faire ce qu'il a fait. Mais si c'était à refaire, je crois qu'il referait. If he had to if he would have the choice to do it again, he would. So you will approve it again? Voilà. Tu seras de nouveau d'accord. Voilà. Yes.